Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait on va parler d'un thème on va dire plutôt général qui pourrait étonner mais qui a quand même son importance au Vietnam. Et on va parler en fait de la rue tout simplement. Alors pour nous occidentaux on considère la rue comme un lieu de passage mais au Vietnam il n'en est pas ainsi. On utilise bien la rue pour se déplacer d'un point A à un point B mais c'est aussi un lieu de vie à part entière. Dans la rue on est comme chez soi. La rue vietnamienne équivaut au chaos, surtout à travers les yeux d'un étranger. Motos, voitures et camions s'évitent dans un désordre complet et continu, avec des pics aux heures de pointe, de 6 à 7h30 du matin à 10 et de 17h à 20h le soir. Mais en fait, entre ces horaires, la vie elle continue. Du lever au coucher du soleil, une multitude de vendeurs en tout genre s'installent sur les trottoirs ou à même sur la chaussée, et on est comme chez soi en prenant sa place habituelle. Les gens connaissent les vendeurs avec les meilleurs prix, que ce soit pour acheter votre banh mi, petit déjeuner souvent, ou pour le déjeuner, c'est un sandwich, ou votre durian, donc un fruit qui sent plutôt fort. Voilà. En vous baladant dans la rue, vous verrez aussi des vendeurs de viande, présentant des morceaux de viande fraîche et grasse en plein soleil avec des ventilateurs pour faire fuir les mouches. Mais vous verrez aussi des poulets entiers qui attendent dans une vitrine, le tout sans cacher le sang, les boyaux ou les odeurs. De la même façon, vous trouverez ce que j'appelle des petits boui-boui. Des restaurants situés au bord de la rue, des fois ce ne sont que des tables qui sont sur le trottoir, vous permettant de profiter de la vie de la rue en même temps que vous mangez. Mais cela pourra aussi être la partie cuisine qui est sur le trottoir. Cela pourrait effrayer certains, pourtant les meilleurs restaurants de Bun Cha que j'ai pu tester étaient dans cette configuration. En restant dans une idée de se restaurer ou juste pour prendre un café, il y avait la rue du train, alors surnommée ainsi, à Hanoï, dont j'ai déjà pu faire une vidéo dont vous pouvez en profiter, je vous mets le lien. Le train allant du nord au sud du Vietnam passe directement entre les maisons. C'est devenu une attraction pour les touristes et des cafés sont apparus le long des voies de chemin de fer. Mais pour des raisons de sécurité, les autorités ont fermé les cafés et interdit l'accès. Mais restons sur le thème des cafés où très souvent les chaises sont orientées sur la rue. On vous regardera avec insistance lorsque vous passerez devant. C'est l'animation du jour, le spectacle de la vie. Mais je suis sûr que vous ferez de même une fois installé dans un café à siroter votre boisson. Même la maison fait partie de la rue. En passant devant les maisons vietnamiennes, on voit directement l'intérieur de leurs pièces principales, qui se ressemblent toutes. L'armoire à télé, la photo des défunts de la famille, un sol carrelé, ajoutez une maman installée à même le sol, un boba qui se balade fesses nues, et vous avez un intérieur vietnamien typique, une extension de la rue. Je vous ai déjà parlé du sport dans la rue, dans une précédente vidéo aussi, dont je vous mets le lien. Cela anime énormément la rue de bon matin ou le soir lorsqu'il fait plus trop chaud. Mais pour finir cette vidéo, parlons de la ville de Ho Chi Minh, avec la rue Nguyen Hue, qui est en partie piétonne en son centre et qui peut le devenir totalement dans certains cas et pour certains événements. D'accord. Donc le bâtiment qui a été construit par les Français derrière moi, c'est la mairie de Ho Chi Minh. Et là en fait on est vraiment sur l'allée, sur l'avenue populaire, enfin pas populaire mais... où à chaque fois qu'il y a des gros événements comme le Nouvel An, c'est là où viennent les gens en fait dans la rue. Donc voilà, c'est un petit peu les Champs-Élysées, je comparais ça aux Champs-Élysées de Ho Chi Minh. Ou à Hanoï, avec les rues autour de Hoan Kiem Lek qui sont fermées le week-end et deviennent un énorme parc urbain dans le centre-ville avec de multiples activités pour les grands et les petits. Mais il y a aussi le marché de nuit qui s'installe directement dans les rues, allant de la rue Hang Zhao jusqu'au marché Zong Xuan. Tout cela donne une image complètement différente de la rue que nous pouvons avoir et qui est un résumé de la vie vietnamienne en général. Cela peut nous choquer,
mais on finit par s'y habituer et par s'en imprégner, au point que cela pourra nous manquer. C'est parmi ces choses qui font que le Vietnam nous marque. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce vert, à laisser un commentaire si vous le souhaitez, et moi je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.